Bon, allez, ce matin, petite livraison de murs préfabriqués par l'entreprise Clavrier Développement. Donc, ça fait déjà un moment que je vous en parle. Donc, c'est à eux, chez eux, qu'on prend tous les murs pour la construction de nos bâtiments. Et donc là, c'est les murs du silo intérieur qui arrivent. Donc ils font 2,90 m, ils vont être enterrés je ne sais plus de combien trop de centimètres. Et en gros, ces trous ils seront dans le béton et il y aura du béton au moins jusque là. Je crois qu'il reste 2,50 m d'utilisable. Voilà. Et donc on décharge avec le 8 mètres. On a pris le plus gros, le plus stable. Donc j'ai mis mon père un peu à la manœuvre histoire que je fasse 2-3 prises de vue. Donc là, on vient de décharger l'arrière du camion. Maintenant, on fait l'avant. Il reste 4 murs à décharger. Voyez. Et donc, on les appuie avec un peu de pied. Et on les met 2 par 2, 3 par 3. Et l'autre jour, on en a déjà eu une livraison. On en a eu 11. Là, on les a appuyés par un poteau de la charpente. Donc, il faut vraiment les appuyer sur quelque chose de stable, de solide. Et surtout qu'il soit bien aligné, surtout le premier, qu'il soit pas en biais, qu'il force pas d'un côté ou d'un autre. Vous voyez. Et il n'y aura plus qu'à poser après. On vient de se prendre une averse. Pas pour tout de suite qu'on va faucher. Hier j'ai tout mis prêt, lavé le tracteur, repassé un petit coup d'eau sur le groupe de fauche, enlevé la poussière. Et on attend le soleil. Pour le moment, on veut faucher samedi, hein, s'il est lundi prochain. Le problème, c'est que la météo est vraiment pas sûre. Il y a de la pluie annoncée un peu dimanche soir, un peu lundi. Donc on attend de voir. Je ne sais pas du tout comment va se terminer cette vidéo. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dedans. Donc j'essaye de vous faire du contenu. Je sens qu'on n'aura pas l'occasion de tester le Manitou sur le silo. C'était un peu l'objectif de l'essai pour le moment, mais bon. Donc ce matin, j'ai déchargé une semi avec le 7 mètres. Donc pour vous faire un petit topo à l'intérieur. Donc le coudoir, eh ben, il est pas trop mal. J'en ai pas parlé dans la dernière vidéo. Le fait d'avoir la main posée sur la manette et non pas tournée comme ça. Je pense que sur une journée de travail, tu ressens moins de douleur dans la main. Après le poste de conduite, vous voyez, le JCB, on trouve qu'il est mieux dégagé sur l'avant. Et le fait qu'on soit un petit peu plus haut, et ben voilà, on verrait mieux. Que là on est mieux comme ça. Mais ça va relativement bien. Toi, qu'est-ce que t'en penses pour décharger? Ben, j'en pense que c'est vraiment stable. Ouais, et encore je pense que les pneus sont. C'est stable et puis bon. Les gros comme ils font 4 tonnes. Les petits font 2,8 tonnes et les gros ils font mieux de 3 tonnes. Ah ouais, j'ai compté, ouais, pas mieux de 3 tonnes. Ça va être compliqué, je sais bien. Ouais. Là où là? Les petits? Pour que je puisse monter. Le savon il est là-bas. Bah, allez, je vous refais 2-3 vues de drone, là, vu qu'il pleut pas. Même ça c'est compliqué. Can't help looking at you right now. So much emotion, just pick your poison. Is every move you make even allowed? Can't get enough. I try my best to look away, but I can't stop. Am I a freak to you? We almost touch. I feel your body move my way, you're close enough. So I say, can't take my eyes off you. You were all I see. Can't take my eyes off you. You know what I mean. Can't take my eyes off you. You are all I see. Can't take my eyes off you. Take my eyes off you. Can't take my eyes off. Can't take my eyes off. Can't take my eyes off. Can't take my eyes off.
trying to go the other way, but I can't seem to get you out of my head, out of my head. I've been fighting everything you be, 'cause everything you be is changing me, and I can't seem to get you out of my head, out of my head. I got time for ya, I got time for ya, so be mine. Would you give me time to give it all to you, give it all to you? Let me give it all to you. Ouais, deux fois dans le cinéma, je fasse mon gazon, j'en ai marre de la pluie. La campagne est lancée, enfin. Vous ne pouvez pas savoir comment j'attendais ce moment. Ça s'est décidé il y a une demi-heure. On peut avoir une ensileuse demain. Les fauchaises étaient attelées, tout était en piste, quoi. Il manquait que la fenêtre météo. Donc on ne s'emballe pas, on ne prend pas trop de risques parce que la météo pour le week-end est pas terrible à part demain, et on fait juste les seigles demain après-midi. De toute façon, je vous ferai des images, mais c'est tout épillé. On s'entendra mieux parler, même si j'adorais le bruit. Tout est épillé, c'est pas très grave, c'est pour les génisses. De toute façon, il n'y avait pas moyen de le faire avant. Il y a un risque d'orage pour ce soir, mais ça fait depuis ce matin que le risque d'orage il est là et que il fait pas grand chose. Même si ça prend 1 ou 2 mm, je crois que ça sera pas très grave, parce que de toute façon c'est tout épillé, c'est un peu de la paille, quoi. C'est pas la première fois qu'on le fait comme ça, mais bon, c'est sûr, c'est pas l'idéal, mais bon, c'est pour des génisses, comme je vous dis. Mise en route du groupe de Fauche, donc il a tout été révisé. Allez, on est parti, je peux plus attendre.
les premières parcelles sans faucher. Il me reste juste une parcelle sur fixe. Je vais vous refaire 2-3 vues. Bon, et ben là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de savoir ce que valent les faucheuses. Agréablement surpris, vous avez vu un petit peu la hauteur des seigles, ça arrive au niveau des garde-boue avant du tracteur. Il y a de la cam, ça sort des gros andins. J'ai juste eu un petit souci au début, problème de réglage en fait, je savais pas, je suis novice hein, avec le groupe, hein. On a juste fauché les foins et les secondes coupes l'an dernier avec, je vous rappelle. En fait, j'avais les volets qui étaient refermés et tellement qu'il y a de bagages, et ben ça arrivait à se coincer quand ça passe au volet et que ça tombait sur le tapis, ce qui faisait que ça bourrait. Et je m'en suis aperçu quand je filmais au drone, donc c'est merveilleux. Sinon voilà, 8,60 m pour une exploitation, je peux vous assurer que ça suffit largement. Le GPS réglé, nickel, tout va bien. Je me suis un petit peu enterré dans le premier. Un petit peu surpris parce que là où on s'était vraiment enterré pour semer, eh ben, c'est passé. Et là où ça s'était pas enterré, c'est pas passé. Bon, ma foi, hein, c'est l'année qui sera comme ça. On va pas sortir les mouchoirs, ça servira à rien de toute façon. Et en silage, je prévu demain après-midi. Alors demain, le programme est bizarre. On va ensiler chez notre collègue Sébastien. Donc il y en a, ils m'ont demandé, c'est pas chez Sébastien Béraud que vous voyez sur TikTok. C'est pas ici, c'est notre collègue Sébastien qui est juste à côté de chez nous, avec qui on s'entend très bien et qu'on travaille beaucoup. Donc on va ensiler chez lui, parce qu'on a besoin qu'il vienne chez nous. Après, il y a encore 59 hectares à faire, donc il faudra du personnel. Nos voisins viennent avec leur tracteur et la remorque, le Newland. J'ai un collègue à moi qui vient, qu'on travaille jamais ensemble, qu'on a juste rentré à la Cuma il n'y a pas longtemps et qui est voisin de là où on habite. Et nous avec une remorque. L'autre remorque, donc ça sera l'Herculano qui sera chez Sébastien avec le 630, le nôtre. Celui de la Cuma est aussi chez Sébastien pour un autre adhérent. Je vous laisse pas imaginer l'organisation qu'on a fait cet après-midi pour que tout soit calé. Il n'y a qu'une chose qui est sûre, c'est qu'on n'allait pas manquer de télescopique pour faire le silo avec trois dans la cour. Je pense qu'on arrivera à faire un comparatif immédiat. À voir avec le père comment ça se passe, si j'arrive à filmer un petit peu au silo, parce que ça sera quand même un petit peu la course. Mais on va essayer de faire quelque chose de propre. Bon voilà, allez, nous on va à la dernière parcelle avec ma copine et puis voilà. Erwan a fait du fumier, lui cet après-midi. Je voulais vous filmer quelque chose qui tenait un petit peu à cœur à mon père, c'était de filmer le Manitou dans le bâtiment où d'habitude on cure avec le valet de ferme, puisque le JCB ne passe pas. Et mon père était tout content cet après-midi parce qu'il a curé avec le Manitou dans ce bâtiment et le Manitou passe vu qu'il est plus bas. Voilà, mais on reviendra un petit peu plus sur les Manitou en fin de vidéo. Allez, j'arrête de parler que ça commence à être long le cinéma là. La foche est finie. Ça devrait juste remplir le silo, sachant qu'il en reste un fond de l'an dernier. Et là, je perds pas de temps, j'étais à côté de la remorque pour demain, donc je l'attelle. Demain, Erwan va chez Sébastien, du coup, avec l'Herculano et le 630. Et puis voilà, on sera pas mal.
Donc la dernière parcelle sur fixe du coup, les dernières vues de drone, un petit peu moins haut, normal, on est plus haut en altitude, mais voilà. On préfère que ça remplisse juste le silo qu'après il faut faire des bottes d'arubanage et tout, c'est le bazar pour distribuer. Et ça ne fait pas forcément gagner du temps. Donc là, Erwan, il a enlevé pas mal de fumier. Maintenant, la prochaine étape, du coup, après l'ensilage, eh ben, on va se mettre à écarter du fumier. Et aussi, on va... Mince, j'ai perdu mes mots. On va essayer aussi de programmer l'ensilage pour la semaine prochaine. Il y aurait une séance de 34 hectares à faire. Quelques régras et pas mal de vesses comme ce qu'il y a là au-dessus du bâtiment. Donc d'ici semaine prochaine, ça va finir de pousser un petit peu et je pense qu'on sera pas mal. On verra ça dans la prochaine vidéo. Allez, on se retrouve demain à l'ensilage maintenant. Bon allez, salut tout le monde ce matin. J'étais démoralisé quand on s'est réveillé. J'ai regardé mon téléphone à 5h du mat, me réveiller et tout. Je me dis, ça va être une bonne journée. Il n'y avait pas de pluie annoncée aujourd'hui. Tout pouvait bien se passer. Et puis j'ai regardé la station météo, là, la petite station Winat que j'ai là-bas. Devant le bâtiment. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois 12 litres 4 à minuit. Je dis, mais c'est quoi ça? Et je regarde hier. Je dis, ça peut pas se tromper. Et hier, 4,6 litres à minuit, avant minuit, quoi. Ça fait qu'on a chopé 17 litres dans la nuit. Médaille. Moi je vous dis, il faut une médaille pour faire ce métier des fois. Bref, on va pas pleurer, on va pas... Il faut relativiser. Alors, on relativise, on dit, il y a pire que nous, il y en a, ils ont fauché plus que nous, nous, c'est des secs, c'est pour les génisses, c'est pas grave. Mais la météo, c'est vraiment pas fiable. Alors, il y en a, ils vont me dire que de nouveau, je suis défoncé, que je fume, que je bois du vin, que je suis... Parce que je suis tout rouge. J'ai eu ce commentaire l'autre jour, hein. Je tiens à préciser. Je suis malade là de nouveau. Ça fait 3 jours que je traîne de la fièvre. J'ai le nez qui coule. C'est l'enfer. Bref, bon allez, ce matin. faut que je prépare le silo. Faut finir de débâcher le seigle. Normalement, ça devrait rentrer là-dedans. Donc pour les génisses, l'année prochaine, on aura ce silo et ce silo de l'an dernier. Donc c'est nickel. Et puis voilà. Donc allez, je prépare ça et on se prend après. Mais bon, non. Pour en revenir à la météo, je comprends pas qu'en 2024, avec les technologies qu'on est, qu'on soit pas fichu de savoir donner la météo juste, quoi. On a attendu hier fin d'après-midi parce qu'ils annonçaient des orages début d'après-midi. On a attendu qu'il n'y ait plus rien de marqué sur les météos, qu'il n'y ait plus risque de pluie. Et hier soir, il s'est mis à pleuvoir. Enfin bref, c'est comme ça, mais c'est compliqué. Hein. Moi, je vous le dis que c'est compliqué des fois. Hein. Mais bon, je crois que c'est aussi pour ça qu'on aime notre métier. Hein. Allez, zou! Focus on us forever, yeah baby.
personnes. Ça s'est bien passé, ça s'est un petit peu enfoncé à quelques endroits. Et là, on est dans la parcelle une des plus mouillées. Vous voyez, l'ancileuse s'enterre, moi je me suis enterré, j'arrivais même plus à reculer à la descente. J'ai réussi à me sortir en faisant un peu le forcing, mais c'est vraiment compliqué. Je pense qu'on va vraiment galérer pour mettre le fumier, pour labourer et tout. C'est les 17 mm qu'il est retombé là, c'est quelque chose. Ça fait chier, on abîme les sols. On est obligé d'en laisser. C'est vraiment pénible. Donc on fait ce qu'on peut, mais bon, c'est pas toujours facile. Donc là, je vais essayer d'en mettre un peu mieux dans ma benne. Donc là, c'est Damien, mon collègue, qui est venu en renfort. Regardez l'état du classe. Vraiment compliqué. Il y a des moulets qui sortent de partout. D'habitude ça passe dans cette parcelle, mais là c'est le bazar. Heureusement c'est pour labourer. Vous voyez, j'ai pas voulu couper sur les andins pour pas tout dégueulasser. C'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. Bon allez, je me suis arrêté au silo, j'ai laissé la remorque à Gilles. Il avait pris la robuste, mais elle n'est pas faite pour lui, je crois, en fait, parce qu'il a eu un problème avec les freins de bourre. Donc il a tout abandonné, il a pris l'Action et la Lambert. Maintenant, on est à côté, donc il n'y a plus besoin de quatre remorques. On en profite d'être à l'arrêt. Donc mon père, il est avec le 737. Donc je vous rappelle, il fait 130 chevaux, c'est une boîte Power Shift. Et l'objectif de l'essai avant tout, c'était d'essayer les deux télescos sur le silo, parce que les gros utilisateurs télescopiques, vous le savez comme nous, si le télescopique tu peux faire un silo, tu peux faire quand même pas mal de choses avec. Donc l'expert sur la ferme des silos c'est mon père. Donc là il est avec le 7 mètres, il a essayé les deux, mais il va d'abord donner la vie sur le 7 mètres. Je fais quelques images après. Donc qu'est-ce que t'en as pensé déjà? Ben, j'étais agréablement surpris pour... C'est qu'un 130 chevaux et je trouve que ça répond bien. En plus on a de l'herbe qui est vraiment lourde aujourd'hui. C'est mouillé. C'est pas facile comme matière. Et il répond bien, quoi, sans accélérer, sans... Après on a une fourche qui est légère aussi, c'est quand même important. Mais on monte des bons paquets, quoi. Il cale pas, quoi. Il patine pas. C'est... Et puis là, l'hydraulique est souple, quoi, pour en mettre sur les bords et tout, on se régale bien. Hein. J'étais vraiment surpris. Je disais qu'il sera trop faible, mais je retrouve un peu la puissance qu'on a avec le JCB, hein, malgré ouais. 10 chevaux en moins. Ouais, 10-15 en moins. Ouais. Après, il y a un inconvénient, je trouve, parce que c'est de pareil, cette porte qui est fermée, là, fin, qui n'est pas vitrée par rapport à certains... Ouais, qui manque une vitre ouais. Ici. Et là, tout à l'heure, quand j'étais au bord, quoi, il a vraiment fallu... Et le siège est un peu loin du bord de la ouais. Fenêtre pour se pencher. Ouais.
ça fait un bon angle mort ici le bois. Ouais, quoi. Ouais, c'est, c'est un peu le reproche là, faut prendre ses repères quand t'es en bordure de silo là. Après c'est stable et tout quoi. Oui c'est stable. Et après hier du coup t'as curé le bâtiment qu'on pouvait plus curer avec télescopique. Ouais, j'ai recuré l'ancien bâtiment des veaux là. Parce qu'il y a quelques années on avait des Manitou. Et c'est vrai qu'on pouvait curer tous les bâtiments, ils sont un peu plus bas. Et puis les JCB, les premiers qu'on a eu, ils passaient aussi. Et puis ils ont eu l'idée de les faire grandir un peu, je sais pas ce qu'ils... du coup, bah, ça passait plus, et après, bon, bah, c'est plus le même... C'était une autre contrainte supplémentaire, faut prendre le valet, il faut reprendre le télescopique. Et hier, je me suis régalé quoi, avec celui-là, il passait partout, et en une heure, quand tu cures le bâtiment, c'était quand même un plus. Quoi. Donc un télescopique légèrement plus bas, et bah, c'est... Sur une ferme d'élevage, et ben, c'est bien, c'est pas toujours un bâtiment un peu plus bas et ça peut être en plus, hein, parce que... Et puis il est vachement ramassé, je trouve, et il se faufile vraiment bien. J'ai vraiment retrouvé mes repères, là, pourtant ça fait quelques années qu'on en a plus, mais j'ai vraiment retrouvé mes repères et agréablement surpris, super. Content d'avoir remis les pieds dedans. Ah ouais, et puis bon, le joystick aussi, ça tombe vraiment sous la main, c'est agréable, quand on le prend tout de suite en main. Ouais. Et l'accès en cabine, c'est... Ah, l'accès en cabine, après, tu mets ton pied, là, tout de suite, tu descends, tac. Alors que le JCB, bon, ben voilà... Faut chercher la marche. On a tendance à descendre en toboggan, qu'on se laisse glisser sur le siège. Bon, il n'y a plus de siège, quoi, ils sont tous bouffés. Moi, j'ai vraiment apprécié l'autre jour l'accès, là, quand on décharge les camions d'aliments, on fait que monter et descendre. Sur une journée, combien de fois on monte et on descend, c'est... Bon. Bon, vous doutez bien que si le 7 mètres, il passe bien sur le silo, le 8 mètres, c'est encore autre chose. Mais... Je sais pas si vous voulez mon avis tout de suite, mais c'est un bulle quoi. Bah donne-le, ça sera fait comme ça. Après, je fais les images. Vraiment, mais super agréable. C'est un bulle quoi. C'est ça pousse, mais c'est tu peux t'arrêter, il reprend. Alors que celui-là, bon, quand t'as un mouvement, bah, il faut pas le lâcher quoi. Ouais. Alors que l'autre, si t'as envie de t'arrêter dans la montée, bah, tu t'arrêtes, tu rappuies, ça repart. C'est... Ouais. J'ai retrouvé un peu comme quand on avait essayé la grosse chargeuse là. À l'ATM. Ah ouais, là c'est les mêmes sensations quoi. C'est stable et... Stable, vraiment, ouais, c'est... Deux belles machines. Deux belles machines, ouais, vraiment. Content d'avoir... un essai concluant, là. Ouais. C'est vrai que des fois, on essaye des trucs. Ouais. On les voilà, mais... Et ça fait réagir sur ce qu'on disait un petit peu ce matin. Il y en a, ils disent, oui, vous essayez du matériel et tout. Donc déjà, il faut savoir que c'est du temps. Et dites-vous bien, des fois, les concessionnaires, quand ils vont dans vos fermes pour vous vendre un matériel, ils vous diront jamais, ça marche pas, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Et
Nous, on essaye vraiment de donner notre avis utilisateur quoi, quand on essaye du matériel. Et on en a eu l'exemple très concret l'an dernier au moment des ensilages. Tout devait être tout beau, tout rose avec les faucheuses à plat et les endaineurs à tapis. Bon, je sais, il y en a, ils veulent pas en démordre. Ils sont contre, ouais. contre le fait qu'on ait quand même pu faire voir que ça marchait pas. Et ils prouvent bah, ça par dépend plus... le fourrage que ça dépend les fourrages qu'il y a. Quand t'as vraiment du fourrage, et ben... L'endaineur à tapis, c'était vraiment pas adapté pour chez nous. Quoi. Et comme ce matin, qu'il a plu cette nuit. Hier, t'as fait tes andins. Bon, mais aujourd'hui, les andins, une ensileuse, elle les remonte toujours, les andins. Voilà. Ce matin, quand alors on est arrivé, que c'était mouillé. Si c'est en fauchage à plat, l'endaineur à tapis, on a vu les limites. Hein. Surtout dans des gros fourrages, quoi. Et quand tout est par terre, qu'il pleut et qu'il faut endainer à tout prix. Et qu'il y a l'ensileuse qui attend, c'est pas bien marrant. Ouais. Voilà, c'était la petite parenthèse pour vous resituer un petit peu le contexte, quand même. Voilà, sinon il y a le soleil, demain il annonce de la pluie, et lundi de la pluie, donc vu ce que vous venez de voir aussi sur la vidéo, là, les tracteurs qui s'enterrent, le champ un petit peu défoncé, on ne pensait pas s'enterrer autant, mais bon, il n'y a pas le choix, il faut ramasser au bout d'un moment. Et le souci, c'est que, en plus de la météo qui nous retarde, il va falloir attendre que ça passe dans les champs, parce que passer avec les pendeurs à fumier, c'est encore plus compliqué. Donc, on est obligé d'attendre de nouveau. Donc voilà, on verra la suite des événements la semaine prochaine. Donc allez, on va finir notre tas, ça va rentrer nickel dans le silo. Je vous fais quelques vues au silo, et puis voilà. C'était pas du tout pensé qu'on fasse du fumier aujourd'hui, c'était encore moins pensé qu'on ensile hier, comme vous l'avez compris. Tout se fait, tout s'organise au dernier moment, à la dernière minute. On a les yeux rivés autant sur ce qu'on fait que sur la météo, je crois. Et là, cet après-midi, il y avait des risques de pluie, donc ça venait du sud, de là-bas. Il faut savoir que nous, on est en haut de la montagne un petit peu et on a souvent des courants d'air d'ouest. Donc ça a empêché la pluie de venir. Et c'est un très grand bien pour nos perspectives, soit de fin de soirée, soit de demain matin à 10h, de refaucher une petite vingtaine d'hectares. On ne sait pas trop encore, ça dépendra de la taille des andins quand on attaquera, pour refaire un silo
la fin d'en débarrasser un petit peu plus, parce que comme vous l'avez compris, c'était un peu une coupe d'eau dans le verre plein là, ce qu'on a fait. Donc il faut tout voler, c'est une organisation de malades, tout le monde fait tout en même temps, donc quand on a le matos, il faut envoyer la patate. Donc cet après-midi, on est avec les deux épandeurs, ils ne tournaient pas, donc on a pris les deux. Donc mon père descend avec le gros à Sainte-Eugénie et moi je reste au compte fixe avec le petit épandeur. Ça va pas mal. Mais ça n'en amène pas beaucoup avec le petit, avec le gros godet là sur le télesco, quand j'ai mis 4 godets, on suit pas. Voilà, donc hier ça s'était enterré là-bas au fond. Joe, l'abondant, il a passé le déchaumeur à disque pour reboucher. Allez hop, retourne remplir. Le bip là, c'est quand je ferme la porte. Donc épandage 50 tonnes hectare. On a du fumier, il faut le valoriser. Donc prochain ensilage prévu mardi. Mais bon, ça sera dans la vidéo. Dans la prochaine vidéo. On va couper là pour celle-ci. Donc demain les manitous s'en vont. Je suis toujours autant malade, comme vous le voyez, je parle comme un canard. Demain les manitous s'en vont. Donc un grand merci à Manutention Service et au groupe Manitou France d'avoir permis de faire ces démonstrations. Et d'ailleurs, il ne faut pas voir les choses tout en noir. C'est pas parce que il n'y a pas que les gens qui font des vidéos qui ont le droit d'essayer du matériel. Vous rapprochez de vos concessionnaires, ils vous font essayer, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, moi, le côté en plus, eh ben, c'est que quand on propose d'essayer une machine, je la demande un petit peu plus longtemps, le temps de faire des prises de vue pour vous faire un petit peu un contenu assez cool, quoi, histoire de, que ça change un petit peu pour la chaîne et tout. Mais bon, je sais que dans la plupart des gens qui me regardent, vous le comprenez, et c'est pour les 2-3 derniers de la liste qui traînent un petit peu à comprendre tout ce qui se passe des fois, et surtout avec beaucoup de jalousie, je le pense, mais bon, ça m'atteint pas, c'est juste que, voilà, je préfère mettre les choses en place des fois, et que ça soit bien clair pour tout le monde. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine, merci d'avoir regardé, de mettre des j'aime, des likes, tout ce que vous voulez, et de vous abonner pour louper aucun épisode. Allez, salut !